Cette histoire, elle a commencé d'une belle manière, dans un bus, à la sortie du collège, où t'as pris ton courage à deux mains et t'es venu me parler, tu m'as timidement demandé où j'allais, et c'est là que tout a commencé. Tous les soirs, en prenant ce petit bus, j'espérais que tu regardes à travers la vitre, lorsque je descendais de mon arrêt. Oui, je sais, c'est très gnangnan. Mais quelque chose commençait déjà à naître entre nous, et à partir de là, plus rien ne pouvait nous séparer, vraiment. Mon amour, il y a un an et demi, j'ai eu la plus belle bague autour de mon doigt. Aujourd'hui, c'est à mon tour. Aujourd'hui, c'est à mon tour de t'offrir un symbole de notre amour. Je ne sais pas si elle s'adaptera à ta tenue, mais le plus important, c'est qu'elle te plaise. A tout à l'heure, je t'aime. Elle est magnifique. Elle n'est pas de toi, alors. Il est 7h20. Mathilde, je pense souvent à ce jour. Grâce à une échographie, j'ai pu te voir pour la première fois. Mon cœur a chaviré littéralement. Il s'est emballé, j'ai senti très fort que ce petit être qui était en train de prendre vie en moi venait de faire basculer ma vie et aussi toute ma personne. Emporté par un tourbillon de joie intense, l'énergie donnée ne serait désormais que pour le bien-être de toi, de mon enfant. J'ai senti des ailes pousser sur mes omoplates. Quel sentiment merveilleux, quelle volupté. Tu devenais ma priorité malgré toi, et désormais je ne vivrai que pour toi, avec excès. À ses yeux, j'étais important. Je devais donc montrer l'exemple. Bien évidemment, sans se rendre compte, il me rendait meilleur. Nous étions sur la route, pour changer, à bord de notre infatigable Billy, aux abords d'Adélaïde. À ce moment précis, sans aucune raison, pendant l'un de nos longs moments d'introspection, après des heures de route, j'ai senti quelque chose changer à l'intérieur de moi, avec l'envie irrésistible de te partager ce que je ressentais. Je t'ai dit que tu étais la femme de ma vie et que je voulais être avec toi pour le restant de mes jours, que nous étions l'un pour l'autre un repère et qu'avec ce repère, nous pouvions faire et accomplir tout ce que l'on souhaitait. Vas-y, Céline, tu accompagnes, tu respires. Yes! Je peux pas m'empêcher de parler, bien évidemment. De Mémé. Elle nous a tant appris. Et elle nous a beaucoup inspiré. Ça a été une grande force pour nous. Et je la remercierai jamais assez. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, elle nous regarde là où elle est super fière de toi. Et elle t'aime très fort. Et je sais qu'elle veille sur toi tous les jours. Come, now the time.
une sœur aimante sur qui on peut compter, avec qui je peux rigoler, pleurer, ou parfois les deux en même temps. Une sœur qui, quand j'aurai besoin de l'entendre, me dira toujours « Mais Marie, t'es con, quoi ?» Aujourd'hui, c'est un grand jour. On célèbre votre mariage. On en a fait du chemin depuis le collège. Que des souvenirs inoubliables, gravés à jamais dans ma mémoire. J'ai appris à vous à refaire connaissance avec vous et à connaître le couple plus que les deux amis que j'avais pu avoir. Time.